Hélicoptère, messieurs. toute façon, même si je me fais serrer, je m'arrête pas donc. Sans, on va de Il y a les pompiers l'hélicoptère qui arrivent sur notre frontière. Non, mais là, c'est bien, Ouais, j'étais bien pas pris. contrôlé moi. Mais là, Par on contre, est faire gaffe, le gars il roule en plein l'état, les milieu, il gars. m'a fait baiser. Ah, mais même, on arrive avec un véhicule rebelle. Ah, oui, Est-ce que déjà ça va, l'hélico, il est pas bon. Il vient de Déjà, passer à côté l'hélico est de pas bon, moi, à ça. fond de balle, il est Déjà, sans rétro, il est passé à 5 cm de ma gueule. Et non, je mais vous moi, je suis explique un pas truc, tombé. on récupère les sprinters, on va au garage de Cavala et je vous récupère en périphérie de Cavala en hélicoptère et on se casse. Exactement. Ok, maman. D'autres questions? C'est bon pour moi? Ah, c'est bon pour moi. Tu te mettras en copilote, tu consommes moins, Bob. Mais quoi, y'a un blessé à Pyrgos qui ils ont mis les sirènes? C'est Anna. Un fils, c'est Anatoly qui avait besoin de soi. Bob, copilote, c'est bon. Ouais, bah, c'est pour lui dire. C'est pour dire au pompier de ralentir un petit peu. Ils ont raté l'entrée de la base, quoi. Bob pour Ron, on est parti pour Luxury. Est-ce qu'on descend en rappel à 50 mètres? T'inquiète, hein, Bob, il va savoir qu'on va être à Luxury quand on va lui envoyer la facture. Hein. Alors, la facture, vous, va pas fou. Et du coup, Brizov, t'as pris pas là, toi? Bob pour Ron. Putain, mais à savoir, je serais resté sapé, moi, à prendre ses licos. Putain, il me casse les couilles. Bob pour Ron! Contre-touche, à cherche pas, il est pas sur la radio. Putain, c'est pas bon, Asturier, contre-touche, guerrier. Il y a 7 packs en direction de Luxury, si tu peux prévenir la Luxury pour préparer les véhicules. Ah, ça, c'est pas la première fois. J'appelle. Merci, On. Je pense que On. Bah, je pense que On, t'as entendu quand t'es passé en hélico dessus. Je pense qu'il t'a même pas entendu à la radio. Attends, ah bah y a même ma femme qui me dit Ah, t'as reconnu à ta voix, Bob. Ah, bah tu m'étonnes. À force que j'ai dit des mots doux. Quelle poésie! Ça dépend de ce que les je dis, gars, on a évité de vous poser dans le parking. Bien. Non, on se mettra devant la barrière. T'inquiète pas, j'ai posé sur toi. Je pense que l'école il redécolle aussi sec, c'est ça? Non, ah, jamais sec. Ouais, parfois sans nous, ça part en couille. Hein. Mais non, mais tu sens, ils nous posent, on prend les sprinters, on va à Kevalai, on joue là-bas, on remonte, on se casse. Ah, mais c'est un échitant qui vient à 300, très pas oh, mec, oui, t'es on ira 300, on a ça. Ouais, j'avoue, on a 500 mètres à faire. Mec, t'es le seul qui a un gilet, c'est toi qui va t'en. De toute façon, Ryan, pleure pas, c'est toi qui es mouru en premier. Ah, moi, il est dans le nez, ouais, moi, j'ai pas d'arme, j'ai un petit arme, j'ai un petit. Mais t'as le gilet pour tanker, c'est déjà ça. Je vais ramasser une balle de 300 mètres. Il va tanker comme jamais. On est dans l'eau là. Non, mais vous savez, les gars, que Ryan, c'est notre blague, hein. C'est celui qui meurt dans tous les films. C'est quoi? Dis-lui qu'il faudra qu'il voie avec. Pour libérer. Les. Moi, ça va, ça m'est pas arrivé. Moi, t'es un peu. Non, c'est Ryan qui prend tout. Maison mec, hein. Qui ne sont pas utilisés depuis. Et je me dis vas-y lui il y a un véhicule qui prime. Le mec est dans l'hélicoptère, on l'entend pas quoi, comme s'il était au bout de la map. Quoi? Pour mettre enfant. Eh pas en radio. Donc je disais, tout le monde m'entend, c'est bon? Ouais. Ouais mais personne t'écoute. Et Bob, normalement, qu'est-ce qu'on dit? On dit normalement? Il était une fois! DUS, on ne reçoit que de la friture! Ouais, j'ai compris. On a l'autorisation d'intérieur. Arrête de rouler bas, t'es en train de nous tuer, putain! Il est sûr, hein, même en hélico européen? Bah écoute, c'est ce qu'il a dit, hein. Il a dit vous avez la permission de vous poser à l'hélico. T'as comment il roule bas, c'est une salope! Déjà, je roule pas, je vole! Si tu conduis l'hélico comme tu roules, va putain! Et toi, si tu parles français comme si tu veux ramener ta gueule, putain! Déjà, tu conduis un hélico, mais on pilote! En fait, et Ryan. Ryan il parle français comme Anna il écrit quoi. Ah non mais lui il est pas parlé, il a coup de fil, les gars. J'aime bien ce que. Allô Ryan c'est notre rebeu par balle. C'est ça qui prend toutes les balles. C'est un truc de fou hein. Ok, c'est ce que nous a semblé comprendre. Moi j'ai de plus qui va là où on cul. C'est ce qui nous a semblé comprendre. Ça marche, galère, wow. Je vous entends d'accord. Fais pas ton Ryan s'il te plaît. Eh Ryan il a joué dans les ch'tis quoi. Je peux sortir mon ambition ou pas? Oui. Non. Attendez, non, vous pouvez pas, répondre des présidents. Attendez, Gaspard, s'il vous plaît. Vous pouvez répéter? Oh putain. Je parlais 100 000% qu'on se crache. Ok, c'est reçu. On reste sur le reste sur le parking de la Luxury, les trois derniers. Ok, c'est reçu.
Alors on est actuellement au S7, c'est ça Dorico. Et là on va avoir un joli comité d'accueil. La facture au nom du président ON. Ah bah ça c'est sûr. Ah, il va lâcher un gros billet là. Attends, bon courage à vous. Qui c'est qui veut une voiture américaine? Moi je veux garder quoi. Viens, on prend des trucs de ouf, non? Il va non, j'ai chaud les bras quoi. Il va recevoir 23 moi, millions de gros. Moi je vais 703 là. Pas c'est notre pote. Oh pote, y'a pas de pote ici. C'est pas là. Ah si. Non c'est Si c'est là. Luxu, bon, il est ouvert Ouais non il est fermé. Non mais c'est un port export qu'on va. Ah c'est un port export hein. Ah non, ils sont. Il y a un hélico frère. Un hélico de quoi? Ouais je vois rien. C'est horrible. Derrière l'hélico par rapport à l'hélico. Là je sais pas trop il est derrière. Aïe. À gauche 2 FPS. Attends Bob, atterris pas. Quoi? Ils s'en valent les couilles. C'est peut-être l'armée. Non, s'en valent les couilles. Regarde les collera. De toute façon on est pas équipé. Hélico là. Bah si, dans mon sac si. Je vais peut-être rester là en fait. Enfin arrivé. Bon, je vais la 45. C'est pas ça des gens. C'est ouvert. Et qui c'est qui est en PLS? Trax? Ouais. Désolé, quand je suis descendu, j'ai failli tomber et je t'ai mis claque. Ah, c'est mort, l'armée. C'est l'armée. Mais on a eu l'autorisation. On décale? Bah, avec hélicoptère rebelle. Elle est où l'armée? Ils vont nous voir, on est 600 gros. Mais au-dessus de nous, ils sont juste au-dessus. Et tant qu'ils se posent, on sera décollé. Non mais allez-y, mais les mecs. Pousse. Enlève ton flingue, toi. Vas-y, on s'en va les couilles, vas-y, go. Désolé. Les couilles qui se posent alors. On va aller où là? Bon, Nico, t'es où? Je suis là devant toi. Mettez votre équipement rebelle dans les véhicules. Ouais, chercher les véhicules et je prends ce que je veux, bon, je vais là. Nico. C'était appel au service de gendarmerie parce que son conjoint ne veut pas quitter ou son ex-conjoint ne veut pas quitter son. Et remontez les plots à l'entrée, comme ça évitera qu'ils arrivent. Remontez les plots à l'entrée, comme ça ils vont devoir descendre et j'aurai le temps de décoller. Ah, bien fait. C'est bon, c'est fait. Dans la cage d'escalier, tout est paisible, pas de tumulte, pas de cri. Ce n'est pas toujours le cas. Bonsoir, c'est la gendarmerie. L'état de la porte de l'appartement en témoigne. Bonsoir. Ah oui, il n'y a pas de problème. Visiblement, Richard et ses collègues étaient attendus. Face à eux, le SDF amoureux est conduit. Avec un simple sac en plastique pour tout bagage. Charlotte le met dehors. Les gars, vous éparpillez pas. Qui se pose sur le toit, je pense. Hein. Ça va venir, Bob. Je suis déjà parti. Les collègues, venez là, on va décaler chaque véhicule. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Ouais, bon. Ouais. Vous êtes parti pour quoi là-bas? Parti chercher les sprinters. Ah, ça y est, ils sont prêts? Ouais, ils sont prêts. Ouais. Le PDG, il est connecté, il est en ligne. PDG en ligne, ouais. Putain, il fallait que je lui parle. Vas-y, je raccroche, je vais essayer de l'appeler cet enfoiré. Ça marche. Thank you.
L'armée s'est posée, hein. L'armée s'est posée. Bah j'arrive. Ça va partir en couille cette histoire. Hein. Non, je pense pas. Non, on essaie. Nico, à droite, il reste deux places pour toi, à droite. C'est qui est arrivé alors? Plus vite. Mais non, on était 7 parce que Bob était dans l'hélico lui. Donc 8 au total, oui. Alors, mais qu'est-ce qu'il les lance? Ouais, on est 7. Ouais. On est 7 au total là. Eh, hey, Shane Paul. Ça fait. Brrra. C'est un afro lui. Alors, un afro, mais moi je suis pas un afro. Et en fait, ils ont pas contrôlé. Moi je dis on va chez Luxury, on se pose devant eux, on va les. Ah oui, mais on va voir si ils sont toujours à le Luxury là. Ah, ils ont décollé. En fait, je crois qu'ils ont toujours braqué Luxury. Ils ont un mec descendre là. Oui, je pense. Ouais, ils ont pensé ça. Mais du coup, moi j'ai vendu mon Palladium, on n'a pas récupéré de l'année camion. On y retourne. Ouais. Ah ouais, on on perd rien. Hein. Allez les gars, franchement, on s'en branle. Bah, plus d'action non. Ouais. Mais là carrément on peut même les rentrer dans notre garage, on donne à Jenny les papiers du véhicule. Mais oui, c'est pour ça que tu crains pas. On craint, on craint rien. Ah, moi je rip pas, je te le dis. Quoi rip? Ici il y en a un qui a fait rip là-bas. Il y a un bâtiment qui est en feu. Bâtiment en feu je crois. Ouais, bâtiment en feu. Rentre dedans gros. Rentre dans le feu, fais les filles. Bon, rigole, c'est juste à côté d'un entrepôt en plus. Je rigole hein. Remonte enculé. Ah, on va où là? Bah, il va partir en fumée. Comme dans un film. Préparez-vous, moi je vous dis. Il rentre dans un film. Préparation. Oh putain. Waouh. Là, on meurt tous. Oh, ça l'a tissé. C'est super, bonheur derrière la fumée. Ah, mais c'est trop stylé ça dans ma vie. Alors, retourne à la Luxury Core. Luxury As. Luxury As. C'est un cul, mais luxueux. T'as, vous avez pas des volets chieux, Luxury? Ryan, t'as pas bouffé un McDo aujourd'hui parce que c'est lourd, les coups, hein. Vache. Ah, grave. Ça passe de ton côté, là, gros. On se traîne. Qui est à côté de moi, là? T'entends qui fait le malin, là, à côté de moi, là? Attention, qui fait malin, tombe dans le ravin, mais là, tu tombes de l'hélico. Si je tombe, on tombe tous, je vous le dis. Hein. Je tombe, je rafale dans les airs, alors. Et si je m'éjecte, vous êtes tous comme des cons. La perte de poids, l'hélico, il va basculer dans l'autre sens, et du coup, l'hélico, il va être à l'envers. Vous allez faire à 360. Mais oui, on va te renvoyer toutes tes balles avec les 360 ml génoscope. Génoscope. Il y a des mecs vont venir, on va voir 8 mecs au sol, là, putain. Allez, pose-nous un peu plus loin. À la limite, et redécolle. Oh putain, il a l'hélicoptère. Hein? Mais on y est vraiment retourné, merde. Oui. Je vous attends dans l'hélico, moi, ça suffit 3 mecs. Bah vas-y, c'est pareil, 3 mecs qui descendent. On a déjà récupéré 7 là. J'étais en train de rouler, moi. Mais hélico, d'accord, décroche, t'as vu. Allez, ouais, dépêchez-vous. Non, mais t'as vu. Allez, vite, on descend. Au pire, je les rappelle, ah. Hein, ils vont se casser direct. Hein. Allez, cherchez les 3 là. Encore un, encore un. Deux. Encore un. Allez, un dernier là. Allez, dépêchez-vous. Et là, je suis en train de rouler. Le descendeur rappel. Fais gaffe, il se met dessus. Il est pas prêt, l'hélicoptère. Je suis vraiment le seul à être descendu là. Non, si il m'intercepte, je dis quoi? Tu dis quand t'as kidnappé? Bonjour. Ouais, bonjour pour commencer. Demande s'il veut des cours de pilotage. Tu vas au repas? Attends, je crois qu'il me surveille. Non mais sérieusement, tu leur dis que t'as mis une commande. Il manquait 3 sprinters. Désolé. Attends, j'ai appelé On. Tu craches pas, ça va être beau pour se cracher. Attends. Non, en plus je filme, c'est bien ça. C'est le désert, à la luxure, y'a personne. Arrête. Ah. Oui, On, excuse-nous. On va peut-être avoir besoin de renfort. Elle prend même ses gars. Ah, ils suivent en plus, hein, non? Bob, il a pris les coups, Robert. Et sauf que, bah, y a l'armée qui est là. Non, ils sont posés, non? Ils sont. Pourra nous payer l'amende ou pas? Bah, là, on est 7. Bon, on a
les flics avec nous. 8. J'ai une arme dans le sac. Ah, vive les militaires. Ah, on va perdre deux effectifs, je pense que... Bah, je vais te rappeler. Ah, il y a le L4 qui arrive. Veuillez quitter la zone. Attends, Bob, ça mec... pue. On va raccrocher. Non, ça pue. Ça pue, Bob. Arrête, on va mourir. Fout, non, décroche, il y a du stuff et tout. Ça pue, décroche. Ah, il y a le L4 en plus. Il y a le L4 qui a décroché. Oh putain, combien d'hélico là. On peut plus rien faire. En plus, il y a des corps rebelles. C'est trop bête. Eh oui, il fallait venir à deux hélicos Célibi à la limite. Ramène le max d'hélico pour moi. Regarde. Tu veux voir comment d'esquiver l'hélicoptère? Il a plus que le. Non, c'est normal. Ah, c'est bon, on a Ryan qui a bouffé McDo. Oh, t'as les pour les poids. Les gars, fous en dessous. Oh la vache. Il a dit comment l'esquiver. Ah, tu fais comme moi, Trax. Tu cours, Trax. Mais comment il doit sortir? Attends, il est encore derrière. Mais la live. Rebibi, une danse. On fait danser l'armée. Danse avec l'armée. C'est plus danse avec les stars, c'est danse avec l'armée. Ils ont rencontré des personnes armées. Ah, fais gaffe, parce que si on se crache à faire les bocales. Regardez, c'est fait flex. Quoi, ils sont fait flex? Bah oui. Buté, non. Non. Oh, c'est un digueule, hein. Vous laissez là-bas, je les tue tous, hein. Y'a pas besoin de sommation, c'est juste je vais chercher mes potes. Cours hélico, mon gars. Hey Bob, si tu passes, ils a ce matin. On a été prévenus déjà une fois. Ouais. Les gars, ils s'en vont. Vous pouvez venir. Ouais, non, mais on se tu vois si l'hélico des restes crash. The yes, on en a au cul, hélico en fait. On a un truc qui nous occupe pire que le PQ. Eh bah, bonne chance! Hein. Attends, je vais appeler si c'est Daniel. Attends, je l'appelle! Allo Dédé, c'est toi? Allo tonton! Lâche les lipo! Lâche le manche, laisse ton. Attends. Oui, bonjour à tonton, ça va? Oui, ça va. Dis-moi! Dis-moi, t'as tu veux t'aider les copains par hasard? T'es pas en train de... T'es pas en train de piloter un hélico? Oui, c'est toi qui es derrière nous. Moi je dis c'est à Bob. C'est Bob qui a voulu. Il est où cet enculé? Il est derrière toi. Non, il est pas derrière moi là. Non, il est parti, on l'a rendu fou là. Là, il est insulté. Ouais. Ils sont où? Il m'a dit qu'il raccrochait, donc je pense qu'il va être derrière notre cul. Hein. Non, je les vois plus. Ils sont partis. Hein. Ah si, c'est. Ah non, il est en bas à gauche. Ils sont là à gauche. Là devant, maintenant. Putain, ah, c'est le L4. Ouais, tout le monde qui décolle ici. Tu vois, il est sur le droit, tu l'as entendu? C'est le pire. C'est lui là. C'est qui a mon cul? Il a pris un tireur. Ah, mais c'est clair sur la luxury, c'est ça que je voulais dire. Ah, bah c'est clair, c'est mal, en même temps, ils sont tous derrière notre cul, donc okay, on arrive pire. Hein. Ah, mais y'a plus personne à la luxury non plus, les gars, et tous les employés. Préparez-vous, je viens vous chercher. Ça marche. Ok. Yeah, c'est pas un faux que vous allez avoir, hein. C'est un misstep et vous allez monter direct. Hein. Ouais, on a bien compris. Hein. Ça va partir en couille. Ils ont pas nos identités, donc tu peux. Il nous suit quoi? Je vais prendre mon truc en main au besoin. Mec, ils sont où les mecs? Attends, j'ouvre mon sac, on sait jamais. Ils sont. Mais sont sur toi? Ils sont à l'intérieur. Ils sont sur toi? Ah non, y'en a un sur le banc. Non, nos collègues à nous. Ah non, y'en a deux là. Ça passe, c'est joli. Non, ça passe pas. Reste là. Vite. Montez. J'ai le dernier. Monte! Il là, par devant. Putain! C'est mort, ils sont en train de se faire. Oh, j'ai eu chaud, mon pote! Putain, mon cœur, il allait rentrer dans la vitre! Je vais péter toutes les
route. Arrête, donc c'est un con, dégage. Ah vas-y, viens, on se casse. T'allais faire un carnage avec des voitures là. Oh putain. Heureusement que t'as failli découper. Attends, mais pourquoi tu recules là? Parce que pour mieux avancer. Il fait un créneau. Non, ils sont devant. Tu feras gaffe, t'as le pneu avant gauche qui est un peu dégonflé. Hein. Non, ça c'est pourri, ça. Tu descends, sors. Descends, on va faire. Descends, on va faire la pression de pneu. On t'en rappelle. Bah là, pour information, on pense sur la gauche, hein. Je dis ça comme ça. Mais... Ah bah rien, il y a son côté, non en fait, suis l'hélico. Vas-y, suis-le. Je pense qu'il a dû chier entre temps. Je le vois. Oui, je le vois. Fais la course. Mais suis-le, vas-y. Mais on est où au niveau carburant aussi? Faut faire un peu de carburant, les gars. Il roule à l'éthanol celui-là, quoi. Il roule à l'éthanol. Putain, il a du chien, il a du stock. Vas-y, celui-là. Il trace que dalle, mec. Putain, on va se cracher, les gars, vous allez rien comprendre. Moi, j'ai plus de colis. Hein. Ah, bah écoutez, puis on leur dit bonjour. Oh putain, elle a fait demi-tour là, non? Ouais, non, fais gaffe, il ralentit. Je le sens pas, je le sens fais pas. Fais gaffe. Oh là là. Mec, ça pue la collision. Et là, tu fais une syncope à gauche, je suis nerveux, est-ce que Et il nous met une tête, mon pote. Et là, c'est bon, il se met bien. Je vais juste enregistrer quand Daniel va se scratcher. Fais gaffe à la D5, fais gaffe à la D5. Même en hélico. Mais bon, là, c'est inculé. Non, on va pas jouer à celui qui vole le plus, bah, d'accord. Pardon. Non, mais il essaie de faire de la vitesse via toi, il rattrape. Je le sens. Faites coucou, sur la droite, faites coucou. Non, moi je peux pas. Je jure que je sens. Eh les gars, les gars à droite, faites coucou, les gars à droite. Là, Bob, tu regardes ta route. Comment on fait? Il est proche de table. Oh, il décroche, les puceaux. Putain, vous avez mis la discussion en fort et tout. Salut! C'est quoi? Il s'est craché? Non. Vous cherchez quelqu'un, monsieur? Tu vas aller voir, vous cherchez quelqu'un? Je peux vous renseigner, vous êtes là? Vous cherchez un hélico rebelle? Oh, on a pas vu ça, non? Désolé. C'est pas notre cam. Putain, je pleure, putain. Elle m'a fait tellement paniquer. Mais quoi, il avait un écusson bleu, pas vu du tout, désolé. En vrai, on devrait aller chercher les sprinters plus souvent. Mais putain, quand il roule pas, tranquille, il va se prendre une pierre là. Mais il roule pas. Oh, il roule au-dessus de l'eau. Oh, c'est bon. Un bateau. Hey, il roule pas en deux. Il roule pas, Ryan. Non, mais non, il a 2020. Ah, il a fait. Il a fait. Non, mais attends, y'a pas une truc à droite là-bas à aller chercher? Ara tribord. C'est quoi ça qui est marqué? Dans l'eau. Zone de recherche, mais sauf qu'on a. J'ai pas l'équipement sur moi. On n'a pas de combi. Et Ryan, tu devrais aller farmer le Becherel, toi, par contre. Oh, je vais te faire mettre ton cul, moi. Oh putain. J'ai mal au pied avec vos conneries. Téléphone, il a halluciné. Quoi, y'a des amendes à payer? Ouais. Génie, il est arrivé, bon ben réunion générale, on a des soucis de diplomatie avec l'armée. Ils disent qu'on les ridiculise en hélico. Ah! Attends, j'ai envoyé une facture à Owen. Tu marques amende, genre. Délit de ridiculisation attends, de l'armée en hélico. Tu vas pouvoir lancer la facture à Owen. Après, t'as déjà reçu, je crois, non? Non, mais je veux que tu lances par la fenêtre. Ah, qui ça? C'est rien que je balance. Son cul que je vais balancer, c'est ça, non? C'est bien ce qu'il part toujours en quart de tour. Un cocktail molotov, le bordel. Fais gaffe quand même là. Mais tu vois, en fait, Bob, tu sais, il va être capable de tout faire chemin, de pas se cracher. On va arriver là, il va se poser, il va se péter la gueule. 100%, j'ai dit. Moi, je fais ça en rappel maintenant, rien à foutre. Ryan, il dit ça parce qu'il est encore entre les dents la plaque d'immatriculation. Ah, mais j'ai la cage en chasse, c'est con! Vous avez une nouvelle facture en attente, qu'est-ce qu'ils m'ont une facture? Franchement, ils ont sorti la viande chasse, quoi qu'ils sortent chez nous ici. C'est tonton qui a envoyé une facture. C'est tonton qui a envoyé une facture?